on va faire un sexe. Vous voulez parler de quel sujet? Écoutez, je voudrais tester la virilité. Et du coup, je vais vous demander, messieurs, de venir avec à moi table. Et Daphné aussi. Allez-y, venez, à table, déplacement, et racontez-nous. Allez, déplacez-vous, on y va, messieurs. On y va, venez. Quelles sont les places? Oui. Mettez-vous ici. Alors, on y va, c'est en trois petits tests, exactement, n'est-ce pas? Avancez-vous sur la table, ça va bien se passer. La pilosité. Ah, donc, je vais vous demander, messieurs, de remonter simplement. Remontez vos manches pour nous montrer votre pilosité. Ah. Alors là, qui sont clairement tous les deux extrêmement poilus. Je crois que c'est du néandertalien. C'est ce qu'on appelle ce courant-là chez les hommes. Vous êtes tous les deux assez poilus, ça veut dire quoi? Mais qu'ils sont tous les deux assez poilus. Vous le direz à la fin. Ça, j'aurais pu. T'as fait des études. Tu veux voir le torse? Non, moi, je suis très poilu partout. Donc c'est D'accord. Bon, alors, deuxième chose. C'est au sujet de la voix. Alors, la voix. Attention, je vais compter jusque 3. Et à 3, vous allez d'abord commencer, Philippe. Je vais vous demander de prononcer une phrase, mais avec énormément de conviction. Donc de dire, je suis très, très, très en colère, mais vraiment. Hein, d'accord. Avec, vous comme s'il l'était vraiment. Très, oui, d'accord. Concentration, attention, je vais attendre 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis très, très, très en colère. Ok. À vous maintenant, André. De nouveau, je vais compter jusque 3. Attention. Je suis très, très, très en colère. Ah oui, vous voyez, ça c'est étonnant. Mais enfin, on n'y croit pas. Pas grave. Il a la voix beaucoup plus aiguë. Troisième petite épreuve. Là, c'est parce que vous êtes tous les deux des hommes de culture. Oui. Et donc, nous avons retranscrit ici les contacts d'André. Alors, ici, ce sont les contacts féminins. Ici, ce sont les contacts masculins. C'est marrant, ça ne fait pas la même taille. Alors, je vais vous demander d'abord à vous, André, oui. d'essayer de avec déchirer. Simplement vos mains, de simplement déchirer. Déchirer? Oui, essayez. De déchirer. Non, c'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, j'arrive pas. Philippe, je vais vous demander la même chose, donc avec le répertoire des femmes. Vous plaisantez. Je suis très, très, très impressionnée par la taille de ce livre. Ah, c'est très compliqué. Bravo. Bon, je vais garder une partie du livre. Avec tous les contacts. C'est pas grave. C'est quand même très étonnant, cette force. C'est... Ouais. Et alors, ça veut dire que Philippe est plus viril que André? Oui, vraiment. Alors, en fait, c'était pas vraiment pour vous parler de virilité que je vous ai fait tous ces tests, mais c'est pour parler de la testostérone. Parce que c'est une hormone qui va jouer, mais effectivement, sur la pilosité, sur la voix et sur la force. Alors, on va ensemble, je vous explique vous êtes rempli de testostérone. Je ne sers pas trop. Parce que, vous savez, c'est souvent associé en fait, à ce gros cliché que cette testostérone égale virilité, égale puissance masculine. En réalité, oui, elle nous sert, elle est importante, mais c'est plus subtil que ça. Alors d'abord, c'est durant la période embryonnaire, donc pour les embryons, où là, la testostérone va permettre la différenciation sexuelle. Ensuite, il y a de nouveau une poussée à l'adolescence. Hein. Là, à la puberté, ça sort carrément de partout, ça déborde de partout. Et c'est comme ça que les caractères sexuels masculins vont apparaître. Donc, effectivement, c'est la voix, la pilosité, les muscles et également le pénis qui va pousser. On a aussi un rôle par rapport à la fabrication des spermatozoïdes, la spermatogenèse. Il y a aussi la masse musculaire qui va effectivement se développer beaucoup plus. Et puis, un effet sur la libido. Et c'est d'ailleurs de là que vient le petit surnom de cette hormone, l'hormone du désir sexuel. D'accord. Alors, ben oui, parce qu'effectivement, on le voit, c'est très mécanique. Il y a vraiment un système. Le niveau de testostérone va déterminer le désir sexuel. Ah. Mais par contre, si à un moment donné... Donc vous êtes rempli de testostérone, c'est sûr, vous. Oui, et oui. Le poil veut dire... Oui. Voilà, c'est un petit... Vous venez de nous confier dans l'émission, c'est sûr qu'il doit y avoir un très, très haut taux de testostérone. Alors, oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une fourchette. C'est-à-dire que ce qui est important à savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on a le plus de testostérone qu'on a le plus de désir sexuel. Si on est dans la bonne fourchette avec le bon dosage, eh bien là, on sait que ça va être un facilitateur, comme un boostant physique pour le désir sexuel. Et d'ailleurs, si un homme ressent à un moment donné une baisse d'entrain, il peut se poser la question, tiens, est-ce que mon niveau de testostérone n'est pas inférieur à ce qu'il devrait? Pour ça, on a une
une valeur objective qu'on peut aller chercher en allant consulter un médecin qui va simplement faire une prise de sang et analyser effectivement si on est dedans, si c'est pas trop bas ou trop élevé. Maintenant, avoir une baisse de testostérone avec les années, bien oui, comme c'est représenté ici, effectivement, ben, ça va diminuer avec, avec les années qui passent. Ça diminue. Donc là, on ne s'inquiète pas, c'est vraiment, c'est physiologique, c'est dans la nature. Et les femmes dans tout ça? Eh bien, les femmes dans tout ça, le stéréotype est que, tiens, comme la testostérone, c'est une hormone d'homme, ben, les femmes n'en ont pas. Eh bien, c'est une grave erreur, parce qu'en réalité, les femmes ont aussi de la testostérone, mais en plus faible quantité. Il y a, mais c'est assez controversé au niveau scientifique, certains scientifiques donc, qui disent que la testostérone aurait aussi un rôle à jouer dans le désir sexuel féminin. Donc là, ben, vous savez, la recherche, elle évolue avec le temps. On n'en a pas encore la confirmation spécifiquement. Mais en tout cas, la testostérone est aussi importante pour les femmes. Il y a aussi une fonction pour elles et au niveau des muscles aussi. Hein. Le muscle le plus important, c'est notre cœur. On en a besoin. Et donc, heureusement, la testostérone, on en a aussi pour les femmes. Et donc, en bref, en conclusion, c'est que de toute façon, la testostérone, les hormones, oui, ça joue dans notre sexualité, mais le plus important, c'est ce qu'on va créer ici, c'est tout notre imaginaire, tout ce, comme vous l'avez dit, hein, cultiver le désir avec les années. Eh bien oui, après 43 ans de mariage, on peut encore se désirer. Ah, merci beaucoup. Merci Alexandra.